jamais je n'oublierai ce qu'il est arrivé dans la nuit du 6 juillet, lorsqu'un train qui circulait à une vitesse immense, c'est là que l'on fait commence, quand le beau ciel si bleu devient couleur. Plusieurs se retrouvent aujourd'hui sans maison et sans logis. Grâce à Dieu, ils ont survécu, mais plein de souvenirs, ils ont perdu. Je pense à toutes ces familles qui ont des garçons et des filles qu'ils ne reverront jamais plus, car ils sont tous disparus. De vous donner force, courage et espoir.